L'école a un lieu de contraire. Tous les bébés, tous les bébés, voyant leurs frères s'en aller, rêvent de quitter leur abri douillé et vers l'école s'envoler. Qu'il leur semblait un endroit pour rêver, jusqu'au jour où écoliers, ils ont des devoirs, des récitations, de la physique, de la chimie, du français, de l'anglais, de l'arabe, sans oublier les maths et les examens. Fatigués et stressés, ils rêvent de quitter cet enfer. Les adultes à leur tour rêvent de reprendre l'école où leurs devoirs sont moins lourds.